na salanga na kukakateo mabe na kubu ya yango na kusala na bomo inanga ya weli mbisanga mbisa ya weli mbisanga na segi kuruna yo na bomo inanga temalelo le péché impardonnable le péché impardonnable. Lisumu oyo nzambe alimbisakate. Ya masumu ezaibe na mokili koko sala. Meizana lisumu moko soko sali yango mwaye nzambe alimbisayo ezalite. Batubayebi ke makambo nyonso elimbisa maka. Melelo esenge toa prendre toa yeba. Quel est ce péché là qui est impardonnable? Namkande ya Marc chapitre 3, à partir verset 28 jusqu'à verset 30. Toko senga batangela biso, parce que c'est le verset principal. Et si kaye soazo loba, ke masumu nyonso koko sala, ou ke même ko finga yesu, ou ke même ko manke respect, même ko betaye, bako limbisa yo. Mais izan elisum mounene, ou ke soko sali yango, Marc chapitre 3, verset 28 à 30. Izana lisumu moko ke soko sali yango mwayen balimbisa yo ezalite. Batangeli biso na kombo na Yesu Masia. Marc chapitre 3 verset 28 à 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Maboko makasi pan lokomo na kolesu masi. Que signifie blasphème contre le Saint-Esprit? Masumu nyonso bakolimbisa. Mais en lisumu moko soko saliango bakolimbisate. Il faut toujours dans l'histoire. Qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ à parler ainsi? Bibe zolo bake, Jésus a bandai ko prêché. Et tant qu'azo prêché, ba Yuda ba poussani. Ba pharisien ba bandi ko traiteye ba lobi miracle na azo sala ezali ya milium mabe. Ba lobi azali na mulim mabe baseball. Mukoza ba démon. Bazo konjimate nyonso abandai ko prêché. Et bazo qualifié d'un sorcier. C'est pourquoi Jésus-Christ a eu qu'on prononcé maloba oy. Alobi nyonso boko ko sala, même ko finganga ko betanga ko sala nyonso boko ko sala ba ko limbisa bino. Mais le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre c'est quel péché? Amen bana nzambe. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 12 à partir verset 30 à 32. Yesu azo solo na baye kolnaye, alobi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alobi, oyo aza contre nga, celui qui n'est pas avec moi, celui qui ne croit pas à ce que j'ai dit, celui qui ne croit pas à la parole prêchée, il est contre moi. C'est-à-dire, on parle de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Yesu abandai koloba, tout ce qu'il disait venait de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui était en Jésus-Christ. Alors c'est le Saint-Esprit nezaki nzambe wazoba à travers Jésus-Christ. Le fait seulement de refuser maloba na Jésus-Christ et pourtant que maloba wana ndezope sa vie. C'est-à-dire tant ozobo ya maloba wana moyen ozwa vie ezate. Donc, Bayouda a rejeté l'enseignement de Jésus-Christ. Il a rejeté Matéa Nyons et Soazo Pesa. Il a parole naïe. C'est pourquoi Yesu a poussé pour expliquer Bango. Que tant que Bazo Boya Maloba, Matéa Naïe, moyen babi ka ezalite. Bazo comme ba incrédule. Soka le bi bolianga ba bi tokolia tout. Wombela makela ba boy bazo boya nyonso bazo rejeter
la parole de Jésus-Christ. Et le fait seulement de rejeter la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Dieu n'a pas d'autre moyen de faire pour te sauver sans ta collaboration. Nzambe tanga kila kio atuna kio question te pour at kilo ndenge nini. Akela kio yemoko. Mais le bikorayo, ils vont dépendre de votre collaboration. Vous devez collaborer, coopérer avec Dieu pour être sauvé. C'est pourquoi Balobi, Bato Bazo Kouakte, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6, Bibezo Banin. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu accepte d'abord que Dieu existe. Il y a un problème, lequel? Ce qui m'ont dit, Azon Djimate, Nzambe Azana Moya Koko Salate. C'est impossible à Dieu. Si toi-même tu ne crois pas, ce qui m'a dit, c'est comme Masapu, Masanu, et comme un mythe pour Nayo, tu deviens incrédule. Donc tant que tu as dit, 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 à ce moment-là, on a blasphémé contre le Saint-Esprit. On a comme vraiment incrédule. Nzambazo koma lokola masapu. À ce moment-là, il est impossible à Dieu lui-même. Dieu n'a pas cette capacité d'aider quelqu'un qui ne croit pas. Dieu n'a pas cette possibilité de soutenir celui qui a 100 foi, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, celui qui n'accepte pas sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen de te sauver si tu ne crois pas. Alléluia, alléluia. C'est ça le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est l'incrédulité. Le fait de refuser de s'approcher et d'écouter la parole, de ne plus le pratiquer, de ne plus mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi il s'est dit là-bas. Et ça, le péché éternel. Au fur et à mesure, aux autres douter, ça devient un péché éternel. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 18 à 19, verset 16, nous avons dit que nous avons dit il a donné son fils. Pour nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit verset 18, nous avons dit celui qui ne croit pas est déjà jugé. La parole de Dieu est prêchée dans le monde. Chacun a sa Bible, des fois il lit la Bible. Mais le fait de lire la Bible, pour nous avons dit que nous avons dit est comme impossible au Bika. Parce que pendant qu'au Bika, il faut croire à la parole. Il faut accepter Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ osa accepter, le col à G. Amen, amen. Osa comme le col à Masapo. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre moyen. Parce que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Comme tu es jugé, personne qui peut vaincre Dieu. Nana kolonga tribunal en Zambé. Biso tant tozo croire. C'est comme si tozo ndima ke toko kite. Zaba to masumu toko kite, ton dimi liwa ya Yesu ne kulusu pona masumu na biso. To accepter que Jésus-Christ aza capable ya ko sauver biso. To accepter que tobi ki gratuitement. Eza na force na biso te, na ba moyen mususu te. Mais ceux qui m'ont alinga ko ba moyen mususu pour être sauvé. Azon a pratiqué ba makambo mususu alinga sala bo sante o yaye en dehors il y a la parole de Dieu en dehors il y a ce qui est écrit. À ce moment-là, il est en dehors, il est au-delà de la foi, il devient incrédule. Dans le christianisme, on nous présente une personne, Jésus-Christ. Notre Dieu azalinzambe oyo ayé bani place ayaki. Et cette famille-là existe dans ce monde. Le fait de croiser Jésus-Christ dans ta vie, devenir son ami, et commencer à marcher avec lui dans ton cœur. A komi yayo, a komi muninga na yo, a komi papa na yo, a komi maman na yo, a komi chaque fois ozo vanda, ozo mona, ozo pense na yo, ozo ko accepter. Et Yesu a compris sur ma capacité, ma coquille, à mettre en pratique la parole de Dieu.
Et ceux qui osent refouler Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit ici. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il y a des gens comme ça qui sont contre Jésus-Christ. Bazo ya awa, bazo sambela mais bazo banguna na Jésus-Christ. Bazo ni kotcha na motema te, bazo jeteye. Il y avait une fois, Jésus-Christ disait bandeke bazana ba ndaku na bango ba kotaka. Banyama zamba bazana ba madusu basala kana bansema te pona kuvanda. Batu batongi bandaku. Mais le fils de l'homme a sa place à kocha mutute. Pourquoi? Parce que batu bazo boya kocha na mitema na bango. Donc ce que tu as na motema na yo, osier makambo na mususu nezwa place à 80%. Jésus-Christ n'a pas de place dans ton cœur. Azo placé. Tu sais quand quelqu'un dans sa vie a kouta na ami préféré, abanda kotsbe ta masolo partout à chaque instant, il pense à son ami. S'il a un problème, et tu comme là directement il prend son téléphone, il appelle son ami. À chaque moment, où Azali quelque part, même dans ses visions, il fait que rêver cet ami-là. Alors, quand on n'aime pas Jésus-Christ, on rêve autre chose à sa place. On pense toujours à autre chose. Tu peux passer toute ta journée au comité à 18h sans avoir pensé à Jésus-Christ. Sans avoir pensé à Dieu. Tu fais autre chose. Tu penses toujours à autre chose. Et on le dit, ce que vous en avez été, vous avez contrôlé, alors vous avez dit, c'est-à-dire, vous avez dit, qui vous sent, il y a le kouta, qui vous moine en Zambé. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui aime marcher avec Dieu, avec Jésus-Christ. Jean 12, verset 37. Notre ami a causé déjà verset 37. Jean chapitre 12. Au commandant qui est malgré ma miracle, oh, Jésus-Christ a fait un sale. Il a fait même des miracles, mais bah, juste faisons du maté. Malgré ma camomille, il est sale lio. Malgré Obela Obika, tu oses croire kakate. Malgré ce que tu as dit quelque part, au moins il a vu na yo le coup la ma camomille, le coup la miracle. Nous comprenons comment au coma place wana. Mais de toutes les façons, tu ne crois toujours pas. Il y avait des gens comme ça. C'est pourquoi Balobi. À ce moment, la parole de Dieu est comme le bololo, est comme un problème pour la yo. Mieux vaut pour toi que tu aies parole te que tu aies yango. Au fur et à mesure, tu aies la parole et tu aies mettre en pratique te, est comme la yo likambu. Est comme le jugement ngambu. Pourquoi cette parole, tu aies yo kango, tu aies rejeté parole, parole est comme le jugement. Batanga na komone sumasi. Jean chapitre 12, verset 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Avancez. 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Maboko makaspa le commandant Kolé Soumassia. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Mon frère, Jésus-Christ est le même. Amen, amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est toujours là. Il est le même. Makambouye soit salarakuna. Azo continue comme ça chaque jour. Dans ta vie, dans la vie, non, ma lame. Zoa, le passé na yo. Okomona makambou moussou nzamba salapon na yo. O batou moussou skoutou baleka, mais ils nzamba protéja yo. Tu verras quand même, il y a des choses. Le col à Makambo, où est comme la même, au coco expliquant au mot tout aimé, toi-même tu connais 15 ans, mon tabi qui yo. Alléluia, alléluia. Et il y a des gens, malgré toutes ces choses, bazo croire-t-il. Bazo croire-t-il. Et à ce moment-là, on est comme incrédule. Babi, tant qu'on est pour croire en Zambé, Abik, et ça est difficile pour que Zambé a guéri yo. Après ça, les salut.
Ozo kwandir sir motema na yo de peur que mis na yo emona mais on dit maté. Il y a des gens comme ça. Des incrédules. Depuis que tu as commencé à prier, est-ce que tu as déjà pris la bonne décision? Le fait de venir à l'église ne veut pas dire que tu es vraiment devenu un enfant de Dieu. Nous avons vu des gens parler même de Jésus-Christ. Ils ont même prêché Jésus-Christ. Mais en réalité, après, on a compris que c'était toujours des mondés, des païens, de vrais païens. Mais ils avaient même passé sur notre chair comme ça en train de prêcher. Bah, prêcher l'évangile. Et pourquoi ces gens-là, les lobes, comme ils sont solides? C'est parce que bah, marcher qui est dans Jésus-Christ, ils ont qu'il soit mounoko. Amen, amen. Ne soyez pas parmi ces gens-là qui parlaient de Jésus qui est seulement un abounoko. Ils ont cherché à être connus comme des véritables serviteurs dans le monde. Après avoir été connus, bah, ils ont commettre le bassesse. Alléluia, alléluia. Alors, parce que ne soyez pas aveuglés. N'enlisez pas vos cœurs. Que ça la te po kenzambe asunga yote, a guérir yote. Ce péché-là, il y a ma kambubanda au sambe laka. Au moins, quand zambe le kola ma solo, et ce péché-là, c'est le péché le plus dur. Le péché impardonnable. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Hébreux 10, verset 26 à 30. Il n'y a pas d'autre moyen pour te sauver sans passer par la foi. La foi, c'est accepter, c'est pratiquer la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. La foi, c'est écouter et mettre en pratique ce que vous avez écouté, la parole de Dieu. La foi, c'est entrer par la porte. N'entrez pas par la fenêtre. Normalement, ce monde va passer. Mais tu peux rendre compte, tu peux mettre à ma soeur l'ibosso en Zambé pour expliquer comment parcourir la vie. Cette vie qui coûte trop cher. La vie vraiment coûte cher, mon frère, ma soeur. Il n'y a personne parmi nous qui a des moyens pour construire une vie naïque. La Bible dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ne dépend pas de son argent. Ne dépend pas de la protection, il y a aux yeux, bah garde corps, ce n'est pas, ils ont dépendre dans la vie na haute. Vie na, ils ont dépendre dans le beaucoup dans Zambé. Alléluia, alléluia. Et ça coûte trop cher. Il n'y a personne dans ce monde qui est capable de se sauver la vie. Il faut seulement croire en Jésus-Christ, lui faire confiance. Vous avez trouvé le verset, Hébreux 10, verset 26 à 31. Et dans ce verset, Bazota et Sabiso, quelqu'un qui après avoir goûté la parole de Dieu, à vivre le miracle de Dieu, et après à Zongissima, et bien le monde c'est quoi? Et on va essayer d'expliquer cela. Hébreux, chapitre 10, verset 26 à 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? 30. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple. Maboko makaspal comme na kole so masia. Milolo milolo milolo. Ici on ne dit pas que celui qui est déjà devenu un enfant de Dieu. Celui qui a goûté à la bonne parole, il a écouté la parole de Dieu. Mais il n'est pas encore un véritable enfant de Dieu. Parce qu'après avoir écouté la parole de Dieu,
nous tous allons pousser pour te croire. Et tant que tu crois, tu commets pas en Zambé. Mais oh, aïe, qui déjà cette parole, oh, a goûté la bonté en Zambé. Mais après, abandi qu'on péché volontairement. Il connaît la parole de Dieu. Il a goûté à la parole. Aïe, qui maloba en Zambé, a goûté en haut. Mais volontairement, pas sa propre volonté. A foulé au pied, lui, à Yesu. A mon nom, ma kambou ya bouzoba. Ma kambounio, si ensemble, abandé kousala moussan, abandé koumounango abilo kwa pamba. Parce qu'il n'était pas vraiment un véritable repenti. Il avait seulement goûté. Et balobi mouti oyo, bako piniriye plus sévèrement et pas l'ensemble. A comme il peut coupable, il y a péché éternel. Parce qu'il a quand même égoûté. Keba na maloba l'ensemble yo kaka. Babi, la parole de Dieu, il a le coup la épée. Il y a à double tranchant. Donc, tant aux autres kango, et koko zoki sayo ma bé, comme eko bik sayo. Alléluia, alléluia. Et ne jouez pas avec la parole de Dieu. Et quand vous avez déjà écouté la parole, et aux autres qu'on s'azardait pour la cour rejeter, Dieu t'aima, vous avez rejeté qui? Jésus-Christ. À ce moment-là, tu deviens son ennemi. Tu ne veux pas marcher comme moi, tu ne veux pas être comme moi, alors quitte-moi. Et à ce moment-là, tu pêches volontairement. Babi, il n'y a pas d'autre moyen pour te sauver. Parce que tu es devenu incrédule. Au moins que tu puisses te ressaisir pour rentrer. Alléluia, alléluia. Mais balobite que ceux qui ont osongi bakoboya yoté. Mais pendant que osong continue que vous allez persévérer dans la cage incrédulité, il n'y a pas d'autre moyen pour te sauver. Mais ceux qui ont se ressaisir. Non, moi j'ai commencé déjà à dire pourquoi na tikinzele ya nzambe, na zongi na distraction, ou vini na bandisme ya koyeba nzambe. Alléluia, alléluia. Après avoir parlé de Jésus-Christ, après avoir témoigné sa parole devant tout le monde, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui na zonga sima? À ce moment-là, Dieu va t'écouter. Amen, amen. Il va encore t'embrasser. Vous connaissez l'histoire des fils prodigues? L'enfant prodigue, le fils cadet était parti. Notre papa, il reste dans sa parcelle. Il a une très bonne parcelle. La plus grande parcelle chez nous. Nous sommes des enfants adoptifs. Dieu nous a adoptés. Il y a un chez nous. Amen, amen. Papa, nous c'est comme ça, nous aussi, nous les chrétiens. On nous a adoptés. Nous sommes devenus des enfants adoptifs. Il y a un chez nous. Notre papa est toujours là, il est chez nous. Il y a une autre parcelle et clôturée. On demande à tous nos frères et sœurs de rester dans la parcelle pour être en sécurité. Amen, amen. Pour être protégé, il faut rester dans la parcelle du papa. Dans cette parcelle, il y a toujours des bonnes choses. Là où il y a des anges de Dieu en train de nous protéger, de nous caresser. Et le fils cadet, lui, était parti. Il a pris l'argent de papa, il est parti ailleurs. Voilà qu'au baby sambongo, que ça la vigne soit qui numba. La vie au fils azo sala. Il a dit contraire à la volonté à papa nabango. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais le papa avait ce souci là. Il y a moi na wa kei. Parce qu'il a souci pour qu'il azo moi na wana. Mais le papa n'est pas parti. Amen, amen. Il n'est pas allé chercher l'enfant. Il était dans la parcelle. Il a dit moi na oyo asa yebinga. A yebinda kuna bango. Amen, amen. Tango ko tambola. Soki ali ngazonga toko yambaye. Il y a tant au moins à Kendaki à comprendre que partout à ce Kende, à ce souffrir, les choses ne marchaient plus encore. Il est rentré en lui-même pour se poser des questions. Chez mon père, des travailleurs seulement, des simples travailleurs mangent bien. À combien pour faute de raison, moi qui ai quitté son fils, à eu conscience, à Bina Kozonga, j'irai vers mon père. N'a qu'à confesser ma belle sali. Et je vais accepter mes défauts. Et je vais lui dire, papa, j'ai péché contre toi. Papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il était sûr que son père allait le pardonner. Et à son retour, Abandi démarche, il se casse là qui, ok, ne m'allez pas comme papa na bango. Mais nous sommes que tant qu'on a entré à parcelle, le papa a vu que son fils est venu. Amen, amen. Et le papa, notre papa, il a toujours été bon. Au Kendaki, au foulé au pied, au Yoga Mra Monanzambe, au Baby Siango,
Soko zongi, papa kuyambayo. Alléluia, alléluia. Maboko makasi pa lokomo na kole sumasi. Et le papa était là. Azoya mbangu, moi na zoya, papa pe azoya. Et directement, tant va croiser, il a embrassé son enfant. Tant moi, papa, je ne suis pas digne. Papa, tant moi, papa, yazo ki pete. Noma, boluka déjà bilamba kitoko. Boluka anon alliance tolat saïek. Boboma, moi na même to fete. Parce que moi na oyo abungaki. Asanini, azo. Alléluia, alléluia. Ozo bunga na ba pense na yo, ozo tika nzambe, okende wapi zonga sima. Au fur et à mesure, on continue à avancer dans la musique dans Nzambe. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. On est comme incrédule. À ce moment-là, il n'y a plus d'autre moyen. Ceux qui osent freiner, posons en marche arrière. Non, mon frère, il n'y a pas d'autre moyen de te sauver. Jean chapitre 16, verset 8. Le Saint-Esprit est là qui peut convaincre Bissot. Pour te voir conscience, pour te comprendre. Quand on a le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour être sauvé. Il nous aide pour convaincre le monde concernant le péché. Donc, ceux qui m'ont dit, non, moi, qui a ça, qui a péché, t'es. Non, 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 moi, mon santo, t'es. Mon toi, moi, mon santo, aïe, bah, le bosso, qui a ça, mon mabé. La première des choses. Ah, aïe, dit, ah, ma cambo, ils ont connu ça, kamabé, na sala kawana. Ah, à comprendre. Et à cause de la convaincue par rapport à la justice de Dieu. À comprendre que justice est cause là. Condamné. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia, alléluia. Maboko, ma casse-moi le commandant, quoi, sur ma cire. Il faut comprendre pourquoi Nzambe a tina moli mon saint. Ce qui est soyé na mokite ou n'a kopi kanayo. Mais le coup la yé soyé na mokil. Bate évangile. Et yo, au boy kondima. Ceux qui peut-être battaient que Maloba Nzambete, nous avons raison. Il n'y a pas d'autre moyen pour s'échapper. Tu es qui? Comment? Parce que tu as déjà écouté la parole de Dieu. Le fait seulement de refuser de mettre cette parole en pratique, tu deviens incrédule. Ça, c'est un péché impardonnable. Ne continue toujours pas à pratiquer autre chose que la parole de Dieu. Décide-toi. Prends la décision, rentre chez le papa, rentre à la maison du père pour confesser, pour reconnaître, pour comprendre que aux autres tambours ça va bien vivre. Et ceux qui ont vécu aux autres tambours toujours dans le mal, et cela va t'écouter cher plus tard. Jésus a le bien à Mukande à Jean chapitre 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Alléluia, alléluia. Et ça veut dire, ceux qui n'ont pas quitté, et ceux qui n'ont pas quitté. Ah, ben, il y a non, mais il n'y a pas qui sauté. Maintenant, pour le moment, excuse les athées, parce que le pardon est gratuit. Et quand tu refuses ce pardon, il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia, alléluia. Il n'y a personne qui est capable de payer ses propres péchés. Qui peut être capable de payer ses propres péchés lui-même? Qui peut se sauver seul? Personne. Il y a que Jésus-Christ qui nous sauve. Alors, le quoi est soyez athée, bisoto, yo qui est. Oh, il faut pratiquer la parole de Dieu. Tout le monde a quatre, il y a mensonge. Alléluia, alléluia. Celui qui me hait est aussi mon père. Ce qui n'a serait qui miracle, ce qui n'a serait qui m'a kambaminé, n'était pour mon ango. Et baboy. À ce moment-là, nanya kolonga ke yeso celle qui est vraiment pour na été. Ce qui est soya katé, nanya kolonga. Ce qui banda obotama ke yoko maloba na nzambe te nanya kolonga. Mais yo lokola oso yoko maloba na nzambe. Vi wana otikate. Oyoko maloba na nzambe. Banda ojembe na nzete otira nzete te. Yeso lobi tikanzete na yamba yo, yo bika yesu yo yamba na ngai. Le kola oyoki mungongo na ye oti kanzetete. O djembele kara likolo. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas d'autre moyen pour te sauver. Ye abik sa batuka par la foi. Par la foi, tout est possible. La foi, c'est accepter Jésus-Christ. L'accepter, c'est l'obéir.
Aimer quelqu'un, c'est l'écouter, le suivre, faire sa volonté. Amen, amen. Ce que moi je suis mobile naé, c'est parce qu'au moment où on est soumise, alléluia, alléluia. Et tant qu'on a ça la malamalamu, pour la cause de Pélissaï. Aimer, c'est faire du bien à l'autre. Lorsque toi tu aimes Jésus-Christ, tu auras à l'écouter, à le suivre, à obéir à sa parole. Est-ce que parole de Dieu, ils en a pas dans mon témoignage? Amen, amen. Alléluia. Milolo, milolo, milolo. Bible dit que tous ont péché. Romains chapitre 3, verset 23-24. Batignon se basala masoum. Basali gratuitement justifié par la foi. Par la grâce au moyen de la foi. Et la grâce de Dieu, Ezali tant aux zones du mango. Accepter la grâce, il faut mon nana. Amen, amen. C'est ça, accepter cette grâce. Un cadeau gratuitement. Alors, ce que vous avez accepté en haut, il faut mon que vous avez accepté cadeau. Et ce que vous avez accepté en haut, et comment on a que vous avez accepté en haut. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu et de rester incrédule, de refuser de mettre en pratique la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas pratiquer la parole de Dieu, vous avez une vie dans la vie où vous avez. Tu viens quand même prier, défendre ton teiboy, au Michel Nzaka. C'est poser la question, ah Nzambe, ah Ngaye. Ok, au Tikite, le Bissou, Jésus, ah Ngaye. Donc, au Kosoka, Kokoriko, Yesoye. Amen, amen. Kokoriko, Yesoye. Bah, il va violent. Bah, tu vas commencer à la violence. Bah, Kokota. Ce qui est notre cercle, Azana moi dans mon balan pour la kobala, d'accord. Mais ce que Azana bango 5. Kokoriko. Le bête là na matoi. Ba retourne yo, wana azaki fiancé. Amen amen. Azaki fiancé ben 5. Oh, il faut que tenter côté moko ko simba. Si vraiment le frère était un frère sérieux. Azana fiancé moko tu ratondi maek. Mais azana combien? Frère aventurier. Oh papa moni fona azana moko ko ya lemba musu ko tia maloku musu ko tia matete pona ke o moni soki o ya boina. O moni za frère azana aventurier. Aventurier. Après ko ya wa Nzambe bolingo ye do to na black to sakana. Mukolo ngonge ko beta nga. Au côté de la grande tribulation. Alléluia, alléluia. Alors, papa, le bi, porte ça qu'on fait là. Abi, yaka, venez auprès à papa, à Koyambayo. C'est votre incrédulité. Au Sambeli, pendant plusieurs années, aux autres fréquentes églises. Aux autres qui connaissent la parole de Dieu. Mais aux autres même péché à Hébreu 10. Il y a pas tout, il y a comme à l'obananzambe. Il y a comme volontairement. Il y a vraiment, il n'y a pas d'autre moyen. Au moins qu'il va se repentir. Et si on continue, on continue, on continue. Et tu as dit péché contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen de te sauver ou si tu veux en enfer. Dieu ne va pas changer sa parole à cause de toi. Dieu ne fera pas à ta place ce que Dieu a dit que c'est toi qui vas le faire. Dieu peut faire que si oyé moko le bia koko sala. Biso to koko saka nzamba le bito koko sala. Amen amen. Nzamba le bito ndima. Et monana, to garder sa parole, to mettre la parole en pratique. La Bible dit exerce-toi à la piété. La piété ce n'est pas facile, il faut faire un effort. Un effort qui va prouver votre foi. Osa ko sal effort. Amen amen. Osa sal effort ya ko sala quand même bien na ndako na baninga. Osa sal effort ya ko sala bien na mariage na yo. Osa sal effort. Osa sal effort ya ko tika ba vie mususu. Amen amen. Osa sal effort ya ko tika makambo mususu, c'est ça qui est important. Pour nous autres, mais ça inutile pour l'esprit.
ce qui ozo sala makambo moko ezali contraire ya volonté ya Nzambe yo bala mais côté okenda kawana oui bakango bien ki osaka masumu vous avez tali gauche tali droite tali gauche oui le saint esprit te voit très bien ata ozo kita ozo kita bazumu na bien le ko la boy na maboko. Les gens croient que tant qu'on est à gauche, droite, on est à l'aise. On te regarde comme ça. Ayo kocha, d'accord, kocha akona. Un jour, kokoriko, et betou nanda kouana. Amen, amen. O bomba ka, yoko sa nini? Yo bima. Alléluia, alléluia. Malam osa la mabe wo tozo mouan amis. O bomba, wane za grave, parce que moi, bon, on a un peu zate, n'y a pas moi de te conseiller. O pe se conseiller, n'y a za mouan malam. Alléluia, alléluia. Vous avez moins à malam. Comment te conseiller? Malam, tout le monde attend. Vous avez moins à malam. Ah, frère, tu as besoin de libo, hein, sœur. Mais yo, déjà, vous avez moins à malam. Au contrôle, là, bien, côté, côté, pour pas mon arrêté. C'est un péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu connais la vérité, mais on se contient qu'on vivre la vie ou en a. Alléluia, alléluia. Il faut se rendre compte que non. Moukilio est en Zambé. Nzamba lingi boyete. Yeso alobini pon le kamanga sala. Alors Nzambe akusimba yo, akopesa so makasi, akufortifie yo. Maboko makasi pon le komona koleso masi. Merci pasteur pour la question. Nazo tuna masumu o muto azo sala me na makanisi. Nanzoto boye azoko kanae penza kosala ngote kotambola kosala likamona te me ba pense na toujours eza kotiaka kana makanisa mabe ne jipe to pese exemple ne siba telephone omona mwa mwese na telephone azana 5 mibali est-ce que wana pesa ka péché mokonza ba ko pardonner ngote une femme mariée moi si wali bal un homme marié oyo azaka kana chéri mususu ya téléphone. Il commet un adultère. Aza ndumba na libala. Le fait seulement, ya kosa na mobali mususu na téléphone, oza kutika la moment moko oza à l'aise. Bosololi trop, bosololi, oza le sumte, bosali na nzoto te me yaka ma téléphone, ah, bosololi bien. Makambo o il fallait oso na mwasi na yo osololi na ye. Makambo fallait oso na mumba na yo osololi na ye. Ce n'est pas bon. Ce que yo basi ba bali yo, ce que mon bali mususu ya téléphone eh lokanini. Voilà cette erreur. Les années balobaka renard azumbila na ya kitoko po alia. Asimi ona monoko, atemi na nzete liboso a mai. Tanga tena kati a mai, amuni mbila munene. Ezana mai ya kitoko. A comprendre que o ya eza muke. Il faut attirer au haut pour asseoir au sein de la maille. Et tant qu'on attire au sein de la monoko, alors dans la maille boye. Et donc exacte, il y a eu un équilibre libéré. C'est comme ça que les gens, basa qu'on manquait bah affection dans mariage na bango, baso manquait bolingo, pensa y a coupé sa mobile, n'avait coupé sa moisi naie, a coupé sa mon téléphone. Et plus tard, nanda ko libala, ils ont comme un problème. Mobile y a qui dans la musala, moi c'est quand nanda ko bala téléphone. Et avec le temps, à comment on a goûté mon bal naya nzoto boya comme inutile, goûté que ça n'a macassé à téléphone. Et avec cela, plus tard, ces mariages-là, et qu'on disparaître. N'oubliez pas que ce n'est pas facile si vous divorcez en étant chrétien. C'est une question très difficile. Il y a d'autres jeunes sœurs et jeunes garçons. Na téléphone azana basi ebele azana mibali ebele na misu boy mwana malamu wapi mais yeba que le fait seulement de vivre avec ces gens là na ndenge wana baza 3-4 ils ont déjà impudicité déjà au sala oki ko bloquer vrai mariage parce que batimuso so na bango yeba kasi so bazana ndako bazana cimetière so ko yeba ate muna na sala poto ya wapi. Il y a des cimetières, il y a poto. Il y a quand même ce que
maman est rare. Mon bal est solo que j'ai téléphone. Alléluia, alléluia. Le bas n'a pas tout à montoyer bio. Azay na photo na yo de solango mon kobeta ma po bazoye ba origine na yo pe ou comprendre origine na montwa na appartient montwa yo azana photo mais seulement par hasard au WhatsApp au Facebook na mona ki mon ami ba to bala li pongo ka mon ami comment ça va ozane ni mon ami distraction passe temps au fur et à mesure de le faire tu dois tout freiner il y aura peut-être un moment où nzamba linga pambola yo yo zo bloquer yango. Vous avez un téléphone sur le cimetière, vous avez bloqué. Vous êtes libre. Merci, Pasteur Richard, pour la question. Amen. Péché impardonnable. Si vous avez un péché impardonnable, si vous avez un péché contre le Saint-Esprit. Bon, ce qui est à reconnaître, ma bien-aimée. Donc, est-ce que vous avez une confession bien que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous la foi passée jusqu'à ce que la péché avez dit que vous 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 contre Saint-Esprit, est-ce que c'est obligatoire? Ah, qui n'est pas un pasteur, qui n'est pas un Saint-Esprit, qui n'est pas un Saint-Esprit, peut être un bon sommet. Merci. Dans mon candidat, 1 Jean chapitre 1, lobby, nous avons la lumière. Il faut que tu aies la lumière. Lumière, ça veut dire quoi? Koye baka. Moulin, mon sang, c'est que convaincre Bissot pour la massoum. Koye ba vraiment que. Les cambousons, on ne peut pas faire ça, c'est que ça. Et on va lobby. Si vous ne confessez pas vos péchés, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous faites des dieux menteurs ou bien vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Mais si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner. Donc, quand tu fais des dieux menteurs ou bien quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ça devient une incrédulité. À ce moment-là, tu ne seras pas sauvé. Alors, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous le pardonner. Donc, le pardon des péchés, les péchés ont pas foutu à côté. Il n'y a pas de prix à payer. Mais le fait seulement de reconnaître ses fautes et de les confesser, cela prouve que vous acceptez que Jésus-Christ a fait la queue pour la masse. Pour être pardonné, on n'a pas besoin des gens. Il y a d'autres péchés. Oui, maman, ça a été un peu. Au salaire, quand vous avez un téléphone, au salaire, quand vous avez une pensée, au bête, quand vous avez un peu de temps, tu ne dois pas aller chercher ces gens-là pour dire que tu es resté. Tu peux demander pardon à Dieu. Si tu vois que c'est compliqué, tu peux trouver seulement un homme de Dieu pour aider pour avoir conscience à bien. Mais il y a d'autres péchés. Okenda ki oyibi mbongo na ye. Banazamba alléluia. Nanda ku sika chaki. Amuni mbongo na ye zate abandiko maloba mabe mutazi mbongo na ngai ya mutazi mbongo na ngai azolo ba pona mbongo na ye et yo se rendre compte que osali mabe okebo na kwen nzambe na sengi polimisi ninga na ibi mbongo za bongo non kene ko pesa mbongo na ye soki oli yango ye bisa ye o subir conséquence soka alinga kangisa yo akangisi yo soka alinga libere alimbiso alimbiso yo mais le fait seulement ya ko ebise ke muninga ye nga mutazi mbongo na yo directement, Dieu te pardonne. Yé asala nyonso koko sala pona yo. O aboya kolimbisa, o asala boy, zana tina sauté. Amen, amen. Ce qui est important, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est lui qui va me pardonner, ce n'est pas toi. Yo na informé yo, na sala ki o mabe, na ko sengo bolimbisa, na sengo po limbisa ngai. O linga te, ceux qui nganza sincère, Dieu me pardonne. Amen, amen. Alors yo o nganza li mabe. Yo ndimo kunde ko sa nanga oyo lingo sala parce que nanga bazoloba par exemple oké mana mwasi abatu walobi kende ko senga bolimbi c'est pas nani pas mobile na ye soko zo akuti mobile ya bato oko bi makame mwa bien amen amen soko zo ki mobile ya bato oké ndo expliquer mwasi wana basi ba comprendre aka
Muninga mwasi ya kosa asubo ete. Be mwasi ya batu. Vema na njimite, na ibi fasa kumila plasa wanate. Amen, amen. Yesu alobi, njima babeta yo, basala onyonso wana po obika. Oko obligé pour aller mais quand même on informé il y a yebisko soit nga kangisa yo soit nga beta yo soit nga boma yo quand même yo ozo a vie éternelle. C'est pourquoi ba pesa bana ba simba bana ba matoi mama papa simba mwana mobali na matoi yebisa e mwana mobali sala masumu susu na basi abatu komeka te. Et quand tu as le péché éternel, pourquoi tu as le péché dans ça, oh, le bâté dans le tindoto. J'ai vu des gens comme ça. Dans mon indoto, moko, dans mon indoto, ici. Tu n'auras pas à dire cela. Oui, papa, c'est dans un autre torse là. Comme il y a un dako, vandi, il y a un problème là. Frère, vous avez un problème là. Ote, papa, dans mon indoto, il y a un kanda. Kanda, il y a un kanda. Au bombé, en plus, il y a un kanda. Il y a un kanda. C'est grave. Les hommes ne blaguent pas. Amen, amen. Malheureusement, maintenant, le fait c'est mal ou c'est le péché, va confesser. Accepte les conséquences. Le ciel, c'est autre chose que conséquence à Moukil. Nous, quand nous sommes là, nous sommes là. Njima conséquence wana. Quand même nzamba sa nini? Ce qui ngape makamunanga nzambe peso nzambe sokya wana tali pinga moko nzambe. Okobligé ngate yozo limisa ngate tik.